Bonjour tout le monde. Je vais faire très attention aux engagements. Waouh, tu t'engages dans quelque chose que tu... vraiment, je vais faire attention. Avant, je m'engageais dans les choses. Et après, ben, j'avais des problèmes. Il faut faire très attention aux engagements. Ok? Que ton non soit non, que ton oui soit oui. Si tu as dit oui quelque part, ah, il faut respecter. Donc, il faut faire attention aux engagements. On ne s'engage pas dans les choses comme ça. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler un peu de... Je vais parler du fétiche. Ok? Le fétiche, j'avais fait une vidéo. Il y a quelqu'un qui est venu mettre de n'importe quoi, quoi. Et c'est ça, quoi. Il faut respecter les gens qui ont la connaissance. Il faut vraiment respecter celui ou celle qui maîtrise. Si la personne maîtrise quelque chose, il faut respecter cette personne. Le fétiche pour moi, c'est si je devais changer le nom, je vais appeler fétiche malédiction vie. C'est la malédiction quoi. On ne devait même pas dire fétiche. Je ne sais pas c'est quel nom, je ne sais pas qui a donné le nom fétiche, mais c'est tout ce qui est fétiche là, c'est malheur, c'est malédiction, c'est mauvais, je vous dis. J'ai eu cet esprit-là. Il n'y a rien de bon dans le fétiche. Et moi, je prends mon temps, je parle de ça. Mais je vais parler un peu de ça. Quelqu'un qui ne maîtrise même pas, qui ne maîtrise même pas ce sujet-là, vient commenter et mettre le négatif. Tu ne maîtrises pas cette chose. Moi, je suis en train de. Moi, j'ai été délivrée et je suis bénie au fait. Donc, toi, tu aimes cette chose-là. Il faut savoir où tu es. Donc, respectez les gens qui maîtrisent la chose. OK? Si je veux vraiment donner un nom au fétiche, je vais appeler le fétiche la malédiction. C'est les démons, les esprits impurs. Il n'y a rien de bon là-bas. Le diable, j'avais dit ça. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il triche. Il triche au fait. C'est un grand tricheur, un grand menteur. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable, ok? Un grand menteur, un grand tricheur. Ça veut dire que la vision que le féticheur a là, c'est le faux. C'est le faux, le diable lui montre quoi. Il ne lui montre même. Ah oui, je me suis rappelé de quelque chose. Gloire à Dieu. Même l'argent que tu es en train de voir, que c'est l'argent, ce sont des esprits. Les gens, ils ne maîtrisent pas ces choses-là. Ils veulent discuter avec moi. En tout cas, il faut me respecter quand je suis en train de parler de fétiches. Respectez-moi. L'argent qui coule, on appelle la magie. La magie, tu vois, les jetons, les gens font. Oui, c'est la magie. Dieu fait miracle. Dans le fétiche, il y a la magie. Et l'argent qui coule là, ce sont des esprits impurs. Ce sont rien que des esprits impurs, ok? Donc, je vais m'arrêter là. Je vais continuer de parler de sorcellerie. Ok? Donc, moi, je pense que il y a beaucoup de pasteurs, ok? Même les vrais pasteurs, ok? Ceux qui sont les pasteurs de Dieu, là. Il y a beaucoup qui doivent faire la repentance au sujet de la façon qu'ils expliquent la sorcellerie. Ok? Parce que la façon qu'ils expliquent la sorcellerie, là, c'est la façon du monde. La façon que le monde veut entendre, là. La façon qu'on a toujours su, là. La façon qu'on sait. Il y a un que j'ai écouté. Il dit, oui, le sorcier. Il te donne, quand il veut te saluer, il te salue par ses pieds, ou ses pieds-là sont ses fesses. C'est le féticheur dit ça. Toi, un pasteur, tu vas pas dire ça. Le féticheur a toujours parlé comme ça. Et le pasteur prend ça, vous voyez. Donc, c'est la façon, il y a l'explication du monde, ok? Dans ce monde, il y a deux explications qui existent. Il y a l'explication du monde
de la façon que le monde aime et il y a la vraie façon de Dieu. Donc j'ai dit, beaucoup de pasteurs, ils doivent faire la repentance parce que les vrais pasteurs, oui, lorsqu'ils ne maîtrisent pas ce sujet de la sorcellerie, là, l'explication de la sorcellerie, il y a beaucoup de vrais pasteurs, même le faux, ben on sait qu'il est faux, mais il y a les vrais pasteurs qui tombent. Si j'écoutais quelqu'un que je respectais, ben, lorsqu'il est rentré dans l'explication de la sorcellerie, là, j'étais découragée comme ça. Ça fait que je n'ai plus le courage de regarder ses vidéos, quoi. Ça m'a tellement découragée. Sa façon d'expliquer, là, c'est la façon du monde. Il y a deux façons. C'est la façon du monde qu'il a expliqué la sorcellerie. La façon de Dieu est que celui qui est sorcier, il est unique, c'est le diable. Celui qui a l'esprit sorcier, c'est le diable. Ce n'est pas les êtres humains. Non. Les êtres humains sont contrôlés, dominés, et je vais vous dire comment. Aujourd'hui, je suis calme. Donc, si quelqu'un ne m'appelle pas pour couper ce téléphone-là, ben, cette vidéo, parce que souvent, ils appellent. Si quelqu'un ne m'appelle pas, pour me distraire, quoi. Donc, je vais expliquer. Et si le téléphone ne coupe pas, je vais essayer d'expliquer. Ben, la sorcellerie, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est le diable qui a l'esprit sorcier. Le sorcier, il y a des féticheurs. Ce n'est pas tous les féticheurs. Il y a les féticheurs qui ont l'esprit sorcier. Ils ne sont pas sorciers, mais ils ont reçu l'esprit sorcier. Ils ont reçu la magie. La magie, c'est parce que moi, je n'avais pas, j'ai dit non à la magie. Donc, la magie vient. Parce que la magie, c'est quoi? C'est la présence du diable. Okay? Le diable, c'est lui qui a l'esprit. Et quand tu peux être féticheur et ne pas avoir l'esprit sorcier. Parce que l'esprit sorcier est différent du fétiche. Le fétiche, parce que mon grand-père était féticheur, ok? Donc, le nouveau qui devait atteindre pour recevoir, il y a un nouveau qu'il faut atteindre pour recevoir l'esprit même du diable. C'est ça qui est l'esprit sorcier, ok? Donc, le nouveau est que le fétiche va te demander des sacrifices humains. C'est là que le diable même s'installe. Okay? Donc, il y a des féticheurs qui peuvent ne pas avoir l'esprit du diable. Il peut être féticheur, mais il ne peut pas. Souvent, il y en a qui ne sont pas. C'est ceux qui n'ont pas la magie, qui ne font pas beaucoup de... en tout cas, la magie, oui, parce que la magie, c'est l'argent qui coule ou bien ils transforment. Vous voyez les gens, ceux qui prennent de l'argent et puis ils multiplient, là. Ça, c'est la magie. Donc, je parle un peu de ça. OK? Donc, c'est eux, ils ont reçu. Quand tu as reçu les... Eux, ils ont la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle. Ce ne sont pas eux. OK? Je veux parce que quand les gens disent le sorcier, là, c'est pas eux-mêmes. C'est un esprit qu'ils ont reçu et l'esprit, là, peut les quitter. Donc, moi, je n'aime pas dire aux gens qui sont sorciers. OK? Je n'aime pas parce que je connais qui est sorcier. Le sorcier, c'est le diable. OK? Donc, je ne mélange pas ça. OK? Donc, c'est un peu ça. Les gens qui disent qu'ils sont sorciers ou sorcières, les gens qui ont parlé, quoi. OK? Avec mon expérience, ce que je peux dire, ce sont des gens qui ne connaissent pas le chemin du pardon. Par exemple, si quelqu'un n'arrive pas à pardonner, si la personne n'arrive pas à pardonner et la personne commence à maudire, la personne est en colère et il y a un esprit qui peut rentrer en elle, l'esprit impardonnable ou bien l'esprit, c'est un esprit satanique. Parce que l'esprit sorcier, même c'est l'esprit du diable. L'esprit sorcier, quand il est là, il tue. OK? L'esprit sorcier, quand il est là, il vient. L'esprit sorcier, c'est l'esprit du diable. Donc, quand il vient, il fait ce qu'il a envie de faire, il quitte. Il ne reste pas là. Mais il y a les gens qui peuvent le recevoir. OK? Ça, c'est autre chose. Ce que je veux dire.
Comme les gens, souvent, ils traitent les gens de sorciers ou sorcières. Ce n'est pas parce que la personne a ouvert sa bouche, ok, pour te dire que c'est moi, je t'ai tué en sorcellerie. Toi, mais tu ne sais même pas comment. C'est moi, je veux te tuer. C'est moi, j'ai fait ça. C'est moi, j'ai fait ça. Et tu vas croire à ça, quoi. Ce n'est pas vrai. Parce que, ben, il y a quelque chose qui est en train, y a quelque chose qui est en train de se passer. Et avec mes expériences, quand j'analyse là, la personne n'est pas une sorcière, mais c'est parce qu'elle est en colère, c'est parce que la personne n'arrive pas à pardonner. Okay? Et cela s'est passé avec moi. Lorsque tu n'arrives pas à pardonner, lorsque tu as eu le fétiche et Dieu t'a délivré, par exemple, moi j'ai eu le fétiche une fois et j'ai été délivrée. Ok? Le fétiche, c'est quoi? C'est la présence des esprits impurs. Donc c'est comme, je voulais prendre la parole là, mais tellement que j'ai bavardé là, j'ai oublié de prendre la parole. Ben, je maîtrise cette parole-là. La parole dit, ah, aide-moi Saint-Esprit, la parole dit que ne juge pas, ne condamne pas. Ne juge pas, ne condamne pas et pardonne. Et la parole dit, même mesure. Vous voyez, ne juge pas, ne condamne pas. Ça sera les mêmes mesures que tu prends, les mêmes mesures que tu juges. Lisez votre Bible, vous allez comprendre ce que je dis. Ne juge pas, ne condamne pas. C'est la parole de Dieu. Ne juge pas, ne condamne pas. Ça, et si tu juges, tu condamnes, ça sera les mêmes mesures. OK? Donc, lorsque j'ai été délivrée du fétiche, ok, j'ai tellement que ça chauffait sur moi, j'ai dit aux gens de prier, les gens ont commencé à prier et je me suis baptisée. Ben, Dieu m'a délivrée, j'étais avec mon mari, tout allait bien, ok, donc c'est parti, la nuit j'ai commencé à bien dormir, ok. Donc, un jour, il y a eu quelque chose, quoi. Et je ne maîtrisais pas le message du pardon. Le problème de l'humanité, là, c'est le pardon, je vous dis. Donc, je n'arrivais pas à pardonner. OK? Mais le problème est que c'est pas parce que je ne voulais pas pardonner. Je ne maîtrisais pas le message du pardon. Donc, il faut faire très attention. Faites attention, surtout en Afrique. Ceux qui se lève comme ça, il dit, c'est là les sorcières, c'est là les sorcières. Et les gens avouent là. Il faut écouter bien ce que je dis là. Je ne maîtrisais pas le message du pardon, ok? Donc, tout ce que Dieu m'a enlevé là, parce que moi, j'ai été délivrée, ok? Et j'étais en paix. Et comme il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, et je maîtrisais pas le message du pardon. Je ne savais pas que si moi aussi je ne pardonne pas, Dieu, même étant délivré là, ce qui m'a enlevé là, ça va revenir. C'est ça qui se passe souvent. C'est pour cela, la personne peut avoir le fétiche. La personne peut être délivrée du fétiche. Lorsque la personne se baptise, Dieu pardonne. Dieu peut pardonner la personne. Et si vous voyez que la personne est en train de pratiquer encore le fétiche, ça veut dire que si la personne est chrétienne ou chrétienne, et le fétiche n'arrive pas à partir, parce que souvent on se dit, ben, pourquoi cette personne va à l'église et le fétiche agit en cette personne, ok? Donc, c'est parce que la personne n'arrive pas à pardonner. Parce que si tu n'arrives pas à pardonner, malgré que Dieu t'a délivré, ce qui est parti là, ça revient. Oui. Ça s'est passé, c'est pour cela que j'ai bien compris le message du pardon. C'est pour cela que je maîtrise bien le sujet du pardon. Et je dis aux gens, il faut pardonner, il faut pardonner. Sinon, tout revient. Tout ce que Dieu t'a délivré là. Il y a même des vidéos des enfants, des choses comme dessins animés là. Ils ont fait une vidéo là. J'ai regardé, mais je ne sais pas si mon mari a enregistré. En tout cas, j'aime ça quand ils expliquent le message du pardon. Okay? Tout ce que, si Dieu t'a délivré, Dieu t'a enlevé le fétiche, que ce soit fétiche, que ce soit maladie, que ce soit cancer,
N'importe quelle maladie, ça veut dire que toi, tu viens chez Dieu, tu dis à Dieu, tu pleures, les gens prient, et toi, tu es délivré, quoi.